nationale, un petit match d'application avec la réserve, il vous a certainement tiré des enseignements. Oui, bien sûr, c'est toujours très intéressant de faire des matchs avec l'équipe réserve parce qu'elles ont double effet. D'abord, on peut se permettre d'arrêter en cours de match, d'expliquer, de parler, de rectifier. Ça donne aussi une image pour les jeunes, hein, de s'affronter au grand, savoir le fossé qui existe entre nous. Et puis, en même temps, ça permet de rester la même famille, dans un état d'esprit et dans une volonté de vouloir faire les choses comme il faut, très bien, comme il le faut. Et dans un bon état d'esprit. Et par rapport à cette trêve aussi, vous avez le temps de travailler beaucoup plus avec les joueurs. Et en attendant, le derby, comment ça se prépare? Ben, écoutez, un derby, comme je l'ai toujours dit, c'est d'abord le match des joueurs, parce qu'il y a un prestige. Bon, aujourd'hui, ça va plus loin que ça, parce que ce sont deux clubs rivaux. Pour le prestige du titre, surtout, hein, parce que ce sont quand même des frères, il ne faut pas l'oublier. Et il faut une tension, une pression particulière. Mais bon, nous l'abordons dans les meilleures conditions. Nous avons 6 points d'avance de plus que eux. Nous avons quand même les statistiques sur le plan offensif, sur le plan défensif, qui nous permet d'être dans les meilleures conditions. L'adversaire principal, ça sera nous. Il ne faut pas qu'on subisse des relâchements comme on les a subis contre Médéa. Mais on les a rectifiés aujourd'hui, c'était le but aussi de notre travail. Et à partir du moment où on se reconcentre, on se remobilise et on rectifie, je pense qu'il y a tout lieu d'espérer une très belle performance contre le MCA.